Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Alors comme d'habitude, hein, les albums, et puis en plus c'est Noël d'ailleurs, c'est les beaux cadeaux, les albums sont offerts par JLM Assurance BD. Et on va retrouver une librairie qu'on connaît bien qui est la Casabulle. On va aller retrouver François pour qu'il nous donne ses trois coups de cœur. Salut François. Salut Christophe. Salut, bon, Christophe. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, on est un petit peu dans le rouge à 10 jours de Noël, mais voilà. On est... Ouais, mais c'est normal, il manque que la barbe blanche, tu l'as presque. Ouais, bah, c'est ça. On sait qu'on est toujours les sauveurs des retardataires, mais aussi les plus beaux cadeaux, finalement. Ah donc, ouais, c'est toujours un plaisir. Une petite BD sous le sapin, ça fait du bien. Et puis alors, nous, on aime ça. Je vais te demander quel est ton premier coup de cœur pour... Alors, le premier coup de cœur, c'est une... parution en début d'année, Le Réveil du Tigre de Olivier Taduc et Serge Le Tendre, un bouquin que j'aime particulièrement, qui a été primé récemment au prix Uderzo pour le dessin, donc un gage de qualité, en tout cas pour moi c'est incontestable. Voilà, alors Le Réveil du Tigre, c'est pas une suite. Mais quand même, ça s'inspire, enfin c'est la suite, allez, on va le dire quand même, d'une série qui a 20 ans, qui s'appelait Chinaman. Donc on avait notre héros qui était un Chinois au Far West et qui, avec toute la sagesse et l'art du combat, savait se faire respecter dans le Far West des cow-boys. Ça nous fait penser évidemment à la série de David Carradine. Et puis là, bah, 20 ans après, notre héros s'est laissé aller. Il a beaucoup de démons. Il a du mal à encaisser les séquelles de la guerre des sécessions. Il est sombré dans l'opium, dans beaucoup de choses. Et puis, il va tomber sur une affaire d'enlèvement de jeunes femmes. Et son meilleur ami va se faire tuer. Là-dedans, et il va être obligé de se remettre en marche, de se remettre clean. Tout ça. C'est un western hyper crépusculaire. Voilà, c'est du western de Clint Eastwood. C'est franchement là, on est à la fin de la grande conquête de l'Ouest. On est sur la modernisation de l'Amérique, l'économie, le capitalisme qui se met en marche, et il reste quelques héros anciens qui sont là et qui vont continuer à se battre. Alors comme c'est, allez, je dirais que c'est toujours Noël dans 1, 2, 3 BD chez les libraires, grâce à JLM Assurance BD, ce premier coup de cœur est offert, mais pour ça il faut répondre à une petite question. Quelle est donc cette petite question, François? Alors, je vous ai dit, je ne sais pas si je l'ai cité, mais je vous ai dit que c'était une suite, qui n'est pas une suite, j'insiste. Ça se lit comme un one-shot, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir lu la suite, mais je vous demande quand même le titre de la série initiale du Réveil du Tigre. Alors, comme on a des téléspectatrices et téléspectateurs qui sont attentifs, ça, c'est une question facile. Pour ça, il faut envoyer un mail à la librairie. Tu peux nous rappeler l'adresse mail de la librairie? Alors, c'est lacasabullelib, bulle avec un S, @canalbd.net. Impeccable. On répond à la question. Et on vient récupérer la BD à partir de samedi. Allez, deuxième coup de cœur, on enchaîne. Alors, deuxième coup de cœur, Les Amants d'Hérouville. Les Amants d'Hérouville, c'est un objet complet. C'est un roman graphique avec de la bande dessinée, des images d'archives, des articles d'archives. C'est un peu dingue, qui raconte la vie d'un homme. On connaît tous sa musique. Parce qu'il est compositeur, il était compositeur, et on a tous entendu la musique des Tontons Flingueurs, par exemple. Il a fait énormément de musique de film dans les années 70. Et cet homme-là, il a créé un endroit exceptionnel, un truc, moi, je ne savais pas que ça pouvait exister en France. Au château d'Hérouville, il a créé le studio d'enregistrement qui a été le plus couru du monde. Toutes les grandes stars de la pop et du rock sont venues enregistrer leurs albums à Hérouville, à côté de Pontoise. Et on a croisé des stars françaises, hein, Johnny Hallyday, Michel, mais David Bowie, Elton John, les Pink Floyd. Ah, mais c'est une histoire impressionnante. Hein.
Et oui, moi, je croyais pas qu'on pouvait avoir ça en France à cette époque-là. C'était l'époque de tous les excès et tout. Donc là, il y avait une ambiance de fête permanente. Ils recevaient les compositeurs, les artistes dans des fêtes non-stop. Mm-hmm. Ils servaient des grands crus à table au déjeuner, au dîner. Enfin, c'était le truc de dingue. Il s'est un peu fait rattraper par la réalité économique. Mmh. Donc, il y a une petite fin tragique parce que voilà, les choses se passent pas toujours très bien. Mais c'est un album qui, voilà, il faut s'y plonger. Moi, bon, peut-être que c'est mon grand âge qui fait ça. Enfin, quand je lis les aventures de David Bowie et tout ça, moi, voilà, ça me rend heureux. Eh oui. La couleur de la couverture, c'est pop, c'est disco, voilà, donc j'étais plongé là-dedans, je ne savais pas que j'étais contemporain de cet homme-là, et c'est une très belle histoire. Alors ça s'appelle Les Amants d'Hérouville parce qu'il a rencontré sur la route en allant à son château une jeune fille qui l'avait embauchée pour être babysitter et qu'il a épousée ensuite. Voilà, donc super histoire à glisser sous le sapin, ça, et ça tombe bien, en plus ce coup de cœur est offert. Mais pour ça, il faut répondre bien sûr à la petite question. Quelle est donc cette petite question ? Alors, le titre, Les Amants d'Hérouville, et ça, je n'ai pas donné la réponse. Mmh. Quels sont les prénoms des deux amants ? Voilà. Facile, une petite recherche. On envoie. Je n'ai même pas dit le nom du héros, finalement. Eh ouais, ouais, non, mais c'est pour ça que tu as bien fait les choses, là. On envoie un mail à la librairie à partir de samedi, et bien on va récupérer ce deuxième coup de cœur. Offert par JLM Assurance BD. Allez, un petit dernier. Voilà. Et le dernier, alors là, c'est du pur polar. Sangoma, c'est un bouquin. Alors, pour le coup, je sais plus comment expliquer ça, parce que j'adore la BD. Et là, je l'ai lu comme un roman, tellement on avait envie de tourner les pages. Il fallait savoir la fin. Enfin, c'est d'un dynamisme dingue. Donc, Sangoma, c'est écrit par Caril Ferré, qui avait écrit quelques romans noirs, enfin des polars, dont Zulu, etc. Donc, ça se passe en Afrique du Sud. On retrouve un corps d'un homme noir assassiné dans les champs d'une exploitation agricole. Un flic blanc va prendre l'affaire en main et il va aller enquêter dans des milieux, on va dire, traditionnels africains, dans les Sangoma. Les Sangoma sont des personnes qui ont des pratiques alternatives, on va dire. Et donc, voilà, c'est un truc qui se déroule à 100 à l'heure, vraiment. On a des scènes, enfin, le dessin de Corentin Rouge est incroyable de dynamisme. On a envie de le voir au cinéma. Il y a des poursuites de voitures dans les townships. Enfin, c'est absolument dingue. Et puis, un suspense où tout est imbriqué. Enfin, vraiment, c'est construit vraiment comme un roman où on a envie de savoir les personnages, comment ils sont impliqués et tout. Et avec une tension aussi sociale, parce que toute cette action qui se passe dans un milieu agricole, puisque c'était une victime qui travaillait là-dedans, ça se passe au moment où on est en train de parler dans le Parlement sud-africain du remembrement des terres entre les Blancs et les Noirs. Donc, tension politique intense sur une enquête un petit peu tendue. Et c'est franchement un super bouquin qu'on lit d'une traite. Mais je ne l'ai pas encore lu, mais ça me donne bien envie. Je me demande si je ne peux pas répondre à la petite question, d'ailleurs, discrètement. Non, ça ne se fait pas. Alors, quelle question ? Qu'est-ce qu'un Sangoma ? Très bien. On envoie un mail à la librairie et on vient récupérer l'album à partir de samedi, offert par JLM Assurance BD. C'est pas beau, ça ? Et voilà, c'est magnifique. Merci, JLM. François, je te remercie beaucoup. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci, toi aussi. On invite les téléspectatrices et téléspectateurs à venir découvrir la Casa Bulle à Asnières. Voilà, ils seront les bienvenus. Eh bien, écoute, à bientôt. Merci. Allez, salut. Ciao.